dit, il a arrêté Badjo. Je dis, quel que soit le moyen. Cabinet Palvin, hop, prends dossier Badjo. S'il t'a fait, appelle à nous-mêmes. Moi-même, je suis ma Palvin, ni de près ni de loin. Je ne suis pas avocat, monsieur, pour m'assister, et je ne suis pas voyer moun. Samedi, gagné un appel administratif à recevoir de M. Alexandre qui dit qu'elle était déjà dans le DCPJ parce qu'elle était recevé un coup de fil de BAC qui dit que Badjo a un numéro pour venir assister. Là, elle dit ça, mais elle dit que c'est comme témoin. Elle dit ah, administrateur prend responsabilité. Elle dit non, si M. allait, il faut la simer tout. La assister M. en tant qu'avocat. Depuis midi, nous finissons par aller à 5h de l'après-midi. Je me relève l'administrateur. Je me dis, est-ce qu'on prend un nouvel avocat qui dit là l'assister Badjo? Il dit non. Jusqu'à demain matin, à 5h du matin, je me relève Jean-Charles qui a arrêté tout. Je suis dans son arrestation qui a arrêté tout. Je me relève, me dit, est-ce qu'elle prend une nouvelle, M. Alexandre? Il dit oui, téléphone, M. était décharge. Le bail a fini à 1h, il commençait à 11h, il finit à 1h, pas de possibilité pour le détourner, chef la tête dit le domine dans la machine dans le CBJ. En même temps, ok, pas de problème. À 7h30, je recevais un coup de fil du maître Alexandre. Il dit, maître, comment est-ce? Il dit, maître Alexandre, en forme, mon coup nous fait des ordres. Parce qu'il me dit non. Il dit oui, maintenant qu'on me faire des autres, mais il arrive ça lundi matin. Vers le 11h dans dimanche, midi 2h, je crois, je recevais un coup de fil des secrétaires barreaux, Mibalea, qui mettent Robert Chéri. Il dit avec ton avocat qui mettait la tête chargée. Je dis qui est avocat? Il dit avocat cabinet. Je dis qui est sûr, frère? Il dit cité nos avocats ou pas moi. Je dis ah! Ça, c'est responsabilité avocat, parce que je dis que non, pas l'assister, mais qu'on est au fond de l'autre bagaille encore. Moi-même, en tant que parlementaire, le cabinet a sanctionné.